Chers frères et sœurs, que la paix du ressuscité soit avec vous. Merci pour votre fidélité à vous joindre à nous pour ce temps de prière. Nous aurons comme intention particulière tous les itinérants, les réfugiés, les sans-abri. Demandons au Seigneur d'inspirer des âmes généreuses pour les secourir en ces temps difficiles. Louez-le dans les hauteurs, louez-le tous ses anges.
de louer-le, toute ses armées, alléluia. Loué le soleil et lune, de tous les astres de lumière. Louez-le, ciel des cieux et les eaux, par-dessus les cieux, alléluia. Qui loue le nom de Dieu, lui commande son créé. Il les posa pour toujours sous une loi qui jamais ne passera, alléluia. Louez Dieu depuis la terre, monstre marin, tous les abîmes. Neige et brume, vent d'ouragan, l'ouvrier de sa parole, alléluia. Montagnes et collines, arbres à fruits, tous les cèdres, bêtes et bétails, reptiles et oiseaux qui volent, alléluia. Roi de la terre, tous les peuples, presse tous les juges. Je me somme les vierges, les vieillards, avec les enfants, alléluia. Louange au nom de Dieu, il est sublime, lui seul. La majesté de son nom est par-dessus la terre et le ciel, alléluia. Il élève son peuple, fierté pour ses fidèles. Fierté pour Israël, le peuple de ses proches, alléluia, alléluia. Gloire au Père, gloire au Fils, et gloire au Saint-Esprit. Maintenant et à jamais, dans les siècles des siècles, alléluia, 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 alléluia. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ce jour-là, les chefs du peuple, les anciens et les scribes constataient l'assurance de Pierre et de Jean, et se rendant compte que c'étaient des hommes sans culture et de simples particuliers, ils étaient surpris. D'autre part, ils reconnaissaient en eux ceux qui étaient avec Jésus. Mais comme ils voyaient debout avec eux l'homme qui avait été guéri, ils ne trouvaient rien à redire. Après leur avoir ordonné de quitter la salle du Conseil suprême, ils se mirent à discuter entre eux. Ils disaient, « Qu'allons-nous faire de ces gens-là? Il est notoire, en effet, qu'ils ont opéré un miracle. Cela fut manifeste pour tous les habitants de Jérusalem, et nous ne pouvons pas le nier. Mais pour en limiter la diffusion dans le peuple, nous allons les menacer afin qu'ils ne parlent plus à personne en ce nom-là. » Ayant rappelé Pierre et Jean, ils leur interdirent formellement de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Ceux-ci leur répliquèrent, « Est-il juste devant Dieu de vous écouter plutôt que d'écouter Dieu? À vous de juger. Quant à nous, il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. » Après de nouvelles menaces, ils les relâchèrent, faute d'avoir trouvé le moyen de les punir. C'était à cause du peuple, car tout le monde rendait gloire à Dieu pour ce qui était arrivé. Christ est ressuscité.
délivrant de la mort et des enfers. Christ est ressuscité, Christ est vaincu. Prions avec foi, le Père Tout-Puissant. Prions Jésus, le Fils unique. Prions le Saint-Esprit de Dieu. Après chaque intention, nous répondrons, Seigneur, exauce-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour l'Église immaculée du Dieu vivant, répandue par tout l'univers, invoquons la richesse des grâces divines. Seigneur, exauce-nous. Pour les ministres consacrés au Seigneur, pour le peuple qui adore Dieu en vérité, supplions le Christ, notre Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Pour ceux qui dispensent fidèlement la parole, demandons la sagesse infinie du Verbe de Dieu. Seigneur, exauce-nous. Pour les vierges d'esprit et de corps à cause du règne de Dieu, pour ceux qui peinent sur le chemin de la vie parfaite, prions celui qui donne l'Esprit. Seigneur, exauce-nous. Pour ceux qui gouvernent les peuples, pour que règne la justice et le droit, demandons la force de Dieu. Seigneur, exauce-nous. Présentons maintenant au Seigneur nos propres demandes, avec un cœur confiant, se souvenant qu'il entend notre supplique et qu'il nous exauce déjà. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Donne à ceux qui te prient, Seigneur, l'abondance de ta grâce. Avec ton aide, qu'ils suivent tes commandements pour y trouver dès maintenant leur bonheur, pour en recevoir dans l'éternité ta joie. Nous te le demandons par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Et que le Seigneur Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Cœur immaculé de Marie, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint François d'Assise, priez pour nous. Saint Padre Pio, priez pour nous. De la mort subite et imprévue, délivre-nous, Seigneur Jésus-Christ. Avec lui.